Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver. Et là il y a un grand monde qui vient d'arriver sur YouTube. En fait il y a un abonné, donc j'avais lancé un concours il y a à peu près un an et demi, donc j'ai atteint les 3000 abonnés, vous êtes 3762 abonnés aujourd'hui. Et Olivier est arrivé donc à Rotten Passa. Alors Olivier, ça va? Hello, c'est cool, ouais. On est là. Ça y est, on est là. Il est venu en plus avec sa copine. Donc ça c'est franchement il y a pire. Donc aujourd'hui grosse visite à côté de Rotten Passa. On va commencer par le sud de Uluwatu, puis après on va se diriger faire une petite session de surf, puis après le sunset à Uluwatu, parce qu'en fait c'est parfait pour le coucher de soleil, et après direction Ubud. Ça va être très chargé. Alors pour la partie transport les amis, en fait ça va se passer en cheval privé pour l'instant. Donc il y a un organisme qui s'appelle Balicab, et vous payez 40$ pour 10 heures, ça vous évite de transporter vos affaires toute la journée, de payer les taxes à chaque fois. C'est un excellent plan si vous n'avez pas envie de vous embêter. Voilà, il faut compter 40 à 50$ et c'est très pratique. On est au sud de Rotten Passa et là en fait Olivier a envie de tester le surf. Donc on va voir si c'est possible. Donc voilà, on arrive à la plage. Alors Olivier, t'es bien arrivé? Super bien arrivé, il fait beau, soleil. Donc t'as gagné le concours, c'est ça? Ouais, ça fait plaisir, hein, et on va voir comment ça va se passer par la suite, mais en tout cas ça commence très bien. Voilà, la petite plage, on va faire un peu voir s'il y a moyen de surfer. Il fait super beau, et après ce soir sera au bout. Ouais. First day. La petite pause déjeuner dans un restaurant super sympa, regardez, il y a les planches de surf. Franchement c'est super sympa. Petite César salade, vraiment sympa. Et après direction Uluwatu, au sud de Bali. Et à Bali la bière locale en fait s'appelle la Bintang Beer. Et en fait ça m'en vient à 1€. Et franchement on est au top, tu vois, petit apéro, grosse pensée à la communauté. Il y avait 250 inscrits. Et Olivier, il a eu beaucoup de chance. Olivier, quand t'as gagné le con, enfin quand je t'ai appelé, t'en faisais pas, non? Pas du tout. Ah, en fait, ça a été une grosse surprise. Ouais, parce qu'en fait, il y avait 10 gagnants et en fait, les 9 premiers, ils pouvaient pas, donc c'était le dernier de la liste. Voilà, et ça tombait bien parce que j'étais en Australie. Enfin, je suis toujours en Australie jusqu'à octobre normalement, et là, ça tombe bien. Au top. Bon, allez, c'est l'heure de manger. Voilà. Et la direction Uluwatu, une des grosses attractions de Bali pour aller voir le coucher de soleil. Tout au sud de Rotten Passa, donc je vais en profiter. L'entrée m'a coûté 30 000, ce qui est équivalent à 2€. Allez, je vous emmène tout de suite, ça va être juste fabuleux. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, no secret. Voilà, le coucher de soleil vient de se terminer, c'était juste magnifique, franchement grandiose avec la vue du temple. Ça reste très très touristique, un peu comme Tenalot. Je vous invite à regarder le premier épisode où j'avais parlé du Tenalot, qui font partie des deux temples en fait, où vous pouvez admirer le coucher de soleil. Je vous mets le nom juste ici, Tenalot et Uluwatu. Et voilà les amis, je suis arrivé à Ubud après 2 heures de voiture. C'était vraiment super sympa comme journée, vraiment. Première journée très chargée avec l'abonné Olivier, vraiment super sympa. Du surf, de la visite, le coucher de soleil, Uluwatu. Et là, je suis à Ubud pour au moins une journée. En fait, j'ai booké 2 nuits. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. Et aujourd'hui, dédicace à Manon. Allez, salut les amis et à bientôt.